Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accompagner, d'être avec nous durant cette heure de Stade 24. Au sommaire de ce Stade 24, on reviendra sur l'élimination de l'Entente de Sétif, la marche des Troates face au Ahly du Caire, le derby algérois, un seul vainqueur, l'USMA d'Alger, le retour du public au stade du 5 juillet, des hauts et des bas consacrés à notre équipe nationale des U23 qui prépare le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques et puis deux matchs amicaux face à la Palestine. On ira également sur le tournoi de Toulon. La DTN a mis en place un programme pour les jeunes. Est-ce que ça va leur permettre de revenir au-devant de la scène internationale? C'est la question du jour. Aujourd'hui, on reçoit M. Ouldali Nourdine, entraîneur des U23. M. Ouldali, bonsoir. Bonsoir, Mahamar, et merci pour... C'est nous qui vous disons merci d'être avec nous. Je sais que vous avez un programme très chargé. Sidi Ahmed Khedis, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Jabour, et bonsoir à notre invité. Bonsoir, Sidi Ahmed. Voilà, sans plus tarder, l'événement de Stade 24. Ce samedi, le stade du 5 juillet abritait la demi-finale retour de la Champions League africaine. L'adversaire, la meilleure équipe du continent. C'est le Real Madrid, là j'ai fait une petite comparaison, africain, avec le Ahly, 147 titres, 10 titres de champion d'Afrique, 4 finales de perdues, vainqueur des deux dernières éditions. La marche était trop haute pour l'Entente de Sétif. Compte rendu, Nouhel Belkhadem. En demi-finale retour de la Ligue des champions africaines, l'Entente de Sétif a accueilli hier soir le Ahly du Caire au stade du 5 juillet à Alger. S'étant incliné 4-0 lors du match aller, les coéquipiers de Djahnet espéraient réaliser l'exploit avec une remontada, mais les Kairotes ne l'entendaient pas de cette oreille. Un but que les Sétifiens vont mal digérer avant de s'en remettre petit à petit. Passé le quart d'heure, les coéquipiers de Abdelmoumen Djabou vont se... L'Entente de Sétif quitte la compétition avec les honneurs alors qu'El Ahly du Caire ira défier les Marocains du Wydad chez eux à Casablanca en finale le 30 mai prochain. Wydad de Casablanca, Ahly du Caire sera la finale de la Champions League africaine. La marche était trop haute pour l'Entente de Sétif avec un joueur, Persito, deux passes décisives, le Sud-Africain. Il y a vraiment un écart considérable entre nos clubs et le Ahly du Caire. Concernant ce match, moi je parlerai plus de la culture de l'excellence des Égyptiens. En d'autres termes, c'est-à-dire c'est une équipe qui cherche toujours l'excellence. Et si on compare notre football à nous, en particulier les équipes de Ligue 1, on est un peu loin déjà de la culture du professionnalisme et tout qui suit avec le processus sur le plan technique, administratif, management, voilà. Donc on est à la traîne par rapport à... Sur un match aller-retour, pour vous, il n'est pas possible de renverser une telle équipe? On va dire que c'est possible, mais arriver en demi-finale, c'est compliqué. Arriver en finale ou En demi-finale. Oui. En demi-finale. Donc en demi-finale, c'est un autre standing. Donc c'est là où on trouve les équipes qui sont bien préparées, les équipes prêtes à ce challenge, quoi. Ce type de match. Alors, on retrouve Wydad de Casablanca, le Ahly du Caire. Ils avaient déjà animé une finale, ça s'était très mal passé. Le Wydad de Casablanca, je le rappelle, qui avait éliminé durant son parcours le Cheb Briadi de Belouizdad. Le Ahly du Caire, qui avait débuté difficilement la phase de poule, et on le retrouve une nouvelle fois en finale pour la troisième année consécutive, vainqueur des deux dernières éditions. Cette équipe du Ahly, à travers les individualités, les joueurs qu'elle possède, elle peut rester sur le dominer le continent sur le toit de l'Afrique, sur le toit de l'Afrique pendant une bonne période en termes. Clairement, quand on voit, comme l'a dit Monsieur Ouldali, il y a le poids de l'histoire aussi, Mamal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un club qui n'est plus à présenter. Je dirais le poids de l'histoire. Peut-être quand il y a des litiges, mais sur ce qu'on a vu, poids de l'histoire 4-0 entre l'entente à l'aller. Oui, mais je dirais, il y a un fait de jeu aussi, il ne faut pas l'oublier. Qaraoui, il y a cette expulsion. Et pour moi, à l'aller, hein. Oui, à l'aller, sur le match aller. Et pour moi, on avait fait le match aller ensemble, je l'ai dit clairement, c'est une faute professionnelle de la part de l'entraîneur. Parce qu'on joue à une équipe comme l'Ahly à domicile, je pense qu'à un joueur de moins, on aurait dû fermer, jouer en bloc, essayer... Il a trop laissé les Égyptiens s'exprimer, surtout sur le match aller. Et pour pouvoir remonter 4 buts à l'Ahly, c'est vraiment compliqué.
On l'a vu sur le match retour. La remontada était impossible. Non, clairement, mais c'est face à ce genre d'équipe, on le dit pas assez souvent, mais arriver à ce stade de la compétition, en demi-finale de la Champions League, on retrouve que les grosses équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se joue vraiment à de petits détails. Et le détail qui a fait la différence pour moi sur cette double confrontation, même si l'entente décisive était un peu en difficulté à 11 contre 11, ça n'aurait pas été le même match à 11 contre 11 pendant toute la partie. Et c'est ce fait de jeu qui a fait la différence sur cette demi-finale. 4 à 0 au match aller, 2-1-1, on ne dit plus sur les dernières minutes, ça veut dire en d'autres termes, ils étaient déjà qualifiés, mais ils n'ont rien lâché les Égyptiens, jusqu'au bout. C'est l'équipe, comme je dis, c'est l'équipe qui espère toujours à l'excellence. Ils ont cette culture-là de la gagne, culture de champion. Et si on analyse les buts marqués par les Égyptiens... Ils se ressemblent presque tous. Et ces buts, ils se ressemblent. Oui, tous les buts se ressemblent. Voilà, avec des joueurs décisifs qui sont... Alors, justement, pour revenir dans le jeu, on a vu cette équipe. Moi, j'ai adoré le pressing haut. Ouais. On ne lâche absolument rien. Celui qui presse est toujours accompagné. On ferme les angles de passe. Et Persito, il récupère très haut sur le premier but et le deuxième but également. Sur les deux buts au 5 juillet, c'était configuration. La même configuration. Tout c'est pressing haut, récupération, et la balle, elle va direct vers l'avant, avec des joueurs qui viennent de derrière. Beaucoup de verticalité. Verticalité, voilà, c'est ça le secret, moi je dirais, le secret de la réussite de l'attaque, c'est la verticalité. Ce que n'a pas pu faire l'entente, le Ahly l'a fait, c'est, moi, là où ils ont été forts, et j'ai adoré, c'est les changements de rythme. Dès qu'il passe la ligne médiane, il donne de la vitesse au ballon. On a déjà un entraîneur qui a de l'expérience à ce niveau, déjà. Donc le Sud-Africain. Oui, Sud-Africain qui a... Qui a déjà remporté cette compétition. Cette coupe, déjà, il a déjà une expérience par rapport aux besoins de son équipe et par rapport aussi aux besoins du haut niveau. Donc on a vu, c'est le même travail qui se fait, c'est les mêmes actions qui reviennent à chaque fois, c'est les mêmes un peu, ils ont de la routine dans ce qu'ils font. Quoi. On sent que c'est répété, ouais. C'est fait, c'est refait, c'est ça, le haut niveau. Travaillé le à l'entraînement. Niveau, c'est ça, et je ne sais pas si vous avez vu le match aller, il y a un fait marquant, moi, qui m'a vraiment surpris dans cette équipe du Ahly, et c'est ce qui a fait la différence face à l'entente de Sétif, et... Comparativement à tous les clubs algériens, que ce soit l'Entente, le CRB, le Mouloudia ou toutes les équipes algériennes qui jouent la Champions League, aujourd'hui, l'Ahly, c'est le jeu en mouvement. À aucun moment, je n'ai vu un attaquant du Ahly statique. Tous les joueurs sont en mouvement. Ça bouge tout le temps. Franchement, c'est ce qui a vraiment déstabilisé la défense de l'Entente de Sétif. Et on l'a vu, Mamar Jebor, à chaque fois, il y avait un temps de retard de là-bas. Vous avez vu le premier but au match retour des Kerot? Tout de suite, il y a eu un temps de retard sur le marquage, sur l'anticipation et sur la couverture. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un mouvement et les triangles se forment à chaque fois du côté du Ahly. Ould Ali, est-ce que vous dites aujourd'hui qu'aucune équipe algérienne, sur les prochaines années, n'est capable d'aller chercher ce trophée continental ? Sétif l'a fait en 2014. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'impossible dans le football. Mais réellement, il n'y a pas de joueur prédisposé pour être au sommet de l'Afrique. À ce niveau, si on compare ce qu'ont fait les Égyptiens. Parce que quand on regarde les Égyptiens, sur ce que vous dites pour que le téléspectateur puisse comprendre, et vous me dites si je me trompe, quand on regarde les Égyptiens, la performance, elle est préparée, elle est travaillée. La continuité des résultats, 5e finale consécutive, des 2 dernières éditions, ils ont gagné le trophée. Or, on voit que nos clubs... Il gagne une année après, il disparaît des écrans radars. C'est là où se situe la différence également. La régularité de la performance. Ouais, la régularité, elle vient d'un projet sportif. Voilà. Exactement. Le projet sportif, il est fait par le club. Après, on recrute un entraîneur par rapport à une culture de jeu, un projet de philosophie. Jeu. Philosophie de jeu, surtout à un projet de jeu. Donc le projet de jeu, il est fait par... il est conçu par l'entraîneur et appliqué par le joueur. Après, quel joueur est valable pour ce système ou pour cette stratégie. On l'a vu avec les Égyptiens dans les 30 derniers mètres, ça va trop vite. Ça va très vite. Pas d'aller la chercher, sauf surprise bien évidemment. Ben surprise, il y aura toujours des surprises dans le football. Il y aura toujours des surprises si, admettons, on a un club où ils ont bien encadré les joueurs. Voilà, encadrer les joueurs, c'est partir, comme je dis, sur un projet. Et dans le projet sportif, il y a le projet management. Et après... Et je pense que c'est le plus important.
dans le projet sportif, le projet management est le plus important. Ouais. Ouais. Et quel est le club pour vous qui vous semble le plus proche aujourd'hui d'aller chercher cette Champions League? Si on va parler sur le plan économique. Oui. Après, on va d'abord parler des équipes qui sont à l'aise sur le plan financier. Donc, vous avez le CRB, vous avez le Mouloudia, vous avez le l'USMA. La Sawa. Et après, il y a d'autres clubs qui... Le CSC, qui parfois, ouais, qui parfois, ils jonglent entre une bonne santé financière et... La JSK, le CSC. Moi, l'entente. Je dirais, l'entente, ils ont cette, s'ils reviennent à leurs habitudes, ils ont cette culture de l'Afrique. Après, comme je dis, il faut être sérieux au départ. Il faut avoir des dirigeants sérieux parce qu'on parle des entraîneurs, des joueurs, on ne parle pas assez des dirigeants. Donc, il faut avoir des dirigeants sérieux. Oui. Sur la question, Mamad, je voudrais apporter une toute petite précision et c'est mon point de vue et je pense qu'aucune des équipes algériennes ne pourra aller chercher cette Champions League tant que ces équipes-là, algériennes, ne vont pas recruter des joueurs qui apportent un plus. C'est la question que j'allais poser. J'ai anticipé. Voilà. C'était mon fort. Ce qui a fait la différence chez les Égyptiens ou chez les Marocains. Persito. Ouais, c'est des joueurs d'exception qui n'ont pas dans leur championnat. En plus, coach, en plus de la base qui existe déjà. Parce que quand on voit l'équipe du Ahly ou l'équipe marocaine, on retrouve des joueurs locaux qui évoluent dans le championnat local, qui évoluaient aussi dans les jeunes catégories en équipe nationale. Mmh. Aujourd'hui, le Ahly, c'est pas moins de 7 internationaux qui ont joué la Coupe arabe face à l'Algérie. Donc, s'il y a ces joueurs-là issus de la formation locale, plus, on l'a vu... Ah oui, tout le temps. Et c'est une pile électrique très difficile à marquer. Donc, ce joueur-là, c'est un plus pour ce club qui est allé le recruter. Je prends aussi l'exemple de Dieng. Dieng, que l'Ahly est allé chercher au Mouloudia d'Alger. Il a élevé son niveau de jeu. Au-delà de son niveau de jeu, sa valeur marchande a triplé aujourd'hui. Ouais, il a une valeur. Exactement. Il a une valeur déjà technique, intrinsèque, etc. Qui existe. La valeur, elle existe. Mais après, d'où la cellule de recrutement, l'importance de la cellule. Les conditions d'évolution de ce joueur. Maintenant, là, on peut déduire que les conditions où il était au Mouloudia ou en Égypte, c'est pas pareil. Il s'est épanoui dans le jeu. Exactement. C'est ce que vous voulez exactement, dire. Exactement. Et il y a aussi l'avancante dont vous avez parlé, Mamad Djebbor, celui du Wydad. Ah. Très bien. Alors, exact. Alors, le Wydad, Matsepe, Bon, oui. Mpanza. Voilà, Mpanza. Mpanza de la République du Congo. Il est de la RDC, celui du Wydad de Casablanca qui avait marqué au Chavalier de Wydad au stade du 5 juillet. Wydad de Casablanca, Ali Duker, votre favori? Ben sur le plan, ce qu'on a vu des deux équipes, je me pencherai plus sur Ali. Le Ali, je rappelle par rapport que... à la qualité de jeu qui ont présenté. Je rappelle que le Wydad de Casablanca avait éliminé en quart de finale le CRB et en demi-finale a éliminé le représentant de l'Angola, Petro de Luanda. Votre favori? Pareil, Ali. Quand on voit la dernière confrontation entre Ali et Wydad en 2017, on s'attend à ce que ça va être un match très, très disputé et il va y avoir du grabuge lors de ce match. Et la finale se joue au Maroc, je le rappelle. Oui. L'Ahly conteste, mais bon, c'est la Champions League, ça joue sur une finale. Il y avait deux pays en lice, le Nigeria et le Maroc. Le Sénégal s'est désisté, il ne restait plus que le Maroc, c'est pour ça. Autre événement au stade du 5 juillet, le derby algérois, avec le retour du public. Mouloudia d'Alger, Ousmane d'Alger, c'était hier, dimanche. Avec la victoire de l'USMA d'Alger sur le score d'un but à zéro, Ben Hamouda a marqué avec une équipe de l'USMA d'Alger qui, sur les 90 minutes, a été dominatrice, a eu les meilleures occasions de but. Et on a vu, ça s'est déroulé dans un bon esprit. L'USMA revient à un point du Mouloudia d'Alger. Qu'est-ce que vous retenez du derby, Ouldali? Un derby, il est fait pour... Vous en avez déjà joué, vous? Oui, les deux derbies, Mouloudia et côté l'USMA. Parce que vous êtes passé par Mouloudia et par l'USMA. Par l'USMA, donc deux finales. Déjà 2006 avec le Mouloudia, gagné. Et en 2013 but avec l'USMA. But de Hadjadj, Daham. Daham, les deux buts. But de Daham. Ouais. Très bien. Et avec l'USMA d'Alger Ben Moussa. Très bien. Sur le match d'hier. Sur le match d'hier, c'était, moi je dirais, l'USMA avait bien préparé le match.
Et surtout la surprise de mettre deux jeunes en... Aït El-Hajj et Atmani. Et Atmani, donc deux jeunes, inexpérimentés pour ces derbies. Moi, je dirais, c'était en quelque sorte, c'est 2-6, quoi. Ils ont osé, ils ont réussi leur pari. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas, je vous pose la question, que l'entraîneur Khaled Ben Yahia a été un peu trop prudent en, tout d'abord, en jouant avec un seul attaquant, Feriwi, qui était complètement isolé, le positionnement de Tahar également, qui a posé problème. Et réellement, ils n'ont jamais inquiété l'USMAD d'Alger. À aucun moment. Vous êtes d'accord avec cette analyse, oui, oui. Si je dis ça? Oui, 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 clairement. À aucun moment, on a senti que cette équipe du Mouloudia pouvait mettre la pression sur l'USMA. Et dès le début du match, ce sont les USMIS qui ont pris les choses en main, ils ont pris le jeu à leur compte. Les meilleures occasions, les plus nettes de scorer étaient à mettre à l'actif de l'USMA. Et je rejoins complètement M. Oudali quand il dit les deux révélations, les deux surprises de ce derby, c'est effectivement Atmani et El-Hajj. Personne, je pense, du côté de l'USMA... El-Hajj, ancien du Mouloudia, qui a débuté au Mouloudia d'Alger. Ouais. Et les Mouloudiens n'ont pas voulu le garder. Il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui. Ah, il a fait regretter. Il a fait regretter et ils me l'ont fait savoir. D'accord. Vous n'étiez pas au courant? Non. J'étais au courant parce qu'il est, sélectionné en U23. En U23. Oui, on l'a pris depuis le début de mon travail. On l'a pris, lui, d'ailleurs, lui et Atmani. Au début, il faisait un peu des bouts de match. Il faisait jouer 5-10 minutes. Il n'était pas en confiance. Et là, les derniers temps, pour mieux. Vous avez senti un changement? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup, surtout en confiance. Ouais. C'est en confiance. En plus de ça, bon, quand même, je m'implique un peu avec ces joueurs. J'incite aussi surtout les préparateurs physiques à faire attention. Pas faire sur attention. La charge de travail? Non, pas la charge de travail. À donner un peu d'importance à ces jeunes. Et un peu. Parce qu'il y a un peu de retard dans le cycle de formation. Dans leur cursus de formation. Cursus de formation. On va dire un peu de rattraper un peu le retard petit à petit quand ils le peuvent. Quoi. Très bien. Alors, je voudrais rester avec vous. Ouais. Même le coaching de l'entraîneur également, tunisien, à un moment donné, il est mené à 1-0. Il fait des changements. Il fait sortir Feriwi. On ne comprend pas. Alors qu'on pensait au départ à l'entrée d'Abdel Hafid qui allait jouer avec deux attaquants. Il ne change pas grand-chose, finalement, pour pouvoir inquiéter cette équipe de l'USMA d'Alger. Après, bon, l'entraîneur, il a sa conception. Il a son plan de jeu. Après, là, c'est, on va dire, dans son imagerie mentale, ou dans son imagerie, il essaye un peu de quand on met quelque chose en place, on est plus dans l'imagerie. Et après, le mettre en place, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a déjà... Moi, je dirais, un derby, c'est vrai qu'il se prépare sur le plan tactique, mais mental surtout parce que c'est deux équipes voisines. Quoi. Voisines, oui. Voisines, ouais, pardon. Ouais, bien sûr. Les deux équipes, vous avez parlé de Atmani et de Aït El-Hajj. Et du côté du Mouloudia d'Alger? Mais du côté du Mouloudia, moi je vais être un peu... Plus dur? Non, c'est pas dur. Si tu parles des jeunes. Oui, ouais, je parle des jeunes, justement. Je parle des jeunes. Ça me permet de faire la transition. Oui, ouais, je parle des jeunes. Bon, on a fait un bilan la dernière fois avec le staff par rapport aux joueurs talentueux. Du championnat algérien. Du championnat algérien, surtout des grandes villes. D'accord. Des grandes villes. Constantine, Alger, Oran. Sétif. Oui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une grosse densité. Il n'y a pas de jeunes. Ils fournissent. Ah, vous faites ce constat aujourd'hui? Oui, à l'USMA. Moi, je dirais que Atmani et Aït El-Hajj, c'est des solutions. De rechange. Oui, je pense peut-être. C'est pas. Vous voulez dire par là, quand vous dites solution de rechange, que les titulaires n'ont pas confirmé. Exactement. On les a lancés dans le bain. On les a lancés, ça fait, on va dire, 2-3 semaines. Trois matchs, ils sont titulaires. Surtout Aït El-Hajj, ça fait. Avant, c'était plus Atmani qui jouait. Exactement. Qui jouait. Après, Aït El-Hajj a pris sa place. Aït El-Hajj, il est arrivé dans l'équipe suite aux mauvais résultats de l'USMA d'Alger. Exactement. Ils se sont dit, bon, allez, on n'a rien à perdre, on tente le coup. On le faisait jouer. Parce que j'ai assisté à un match. Je peux vous dire que même Achou l'a fait descendre en équipe réserve. Il n'en voulait pas. Il le faisait rentrer. J'ai assisté au match qu'ils ont joué à l'Arba'a. C'est des joueurs qui faisaient rentrer sur les côtés. Exactement. C'est des solutions par défaut. Ailier, oui. Parce que les deux ailiers étaient fatigués. Donc, il fallait faire rentrer des joueurs frais. Il y a un joueur, je ne sais pas quel âge il a, mais moi, j'ai bien aimé du côté du Mouloudia.
Et franchement, c'était la révélation du côté du Mouldia. Je ne sais pas si vous serez d'accord. C'est Hamidi, le latéral droit. Il a fait un excellent match. Oui, mais défensivement, il est tout de même âgé, Hamidi. Ah, je ne sais pas quel âge il a, mais comme vous avez parlé des joueurs du Mouloudia, il rentre pas dans les plans. Hamidi, pour moi, c'était l'homme du match côté Mouloudia. Eh bien voilà, la transition est toute faite. Des hauts et des bas consacrés à notre équipe nationale olympique. Wilde Ali, vous venez de terminer les deux stages de l'équipe nationale olympique. Alors, Les quatre stages. Vous venez de sortir d'un stage. Le dernier. Dernier. Qu'est-ce que, sur les quatre stages, aujourd'hui, vous en êtes où avec cette équipe olympique qui, je le rappelle, prépare les qualifs pour les Jeux olympiques et le tournoi de Toulon. Coupe d'Afrique d'abord. Pour la Coupe d'Afrique après. Je dis tournoi olympique, c'est-à-dire avec, au milieu, le tournoi qualificatif. Donc, alors, le constat, d'abord, il fallait, quand je suis arrivé, on va dire, fin février, il fallait mettre un constat. Donc, en quelque sorte, j'étais un peu dans le management d'urgence. Donc, il fallait mettre en place une équipe. Je vais faire court, vous partez de rien ? Je ne vais pas dire que je pars de rien, mais il n'y avait pas de traçabilité par rapport à ce qui a été fait avant. Donc, il fallait aller chercher... Il fallait chercher, piocher et demander aux entraîneurs, faire de la recherche par des journalistes, par des managers, qu'est-ce qu'il existe comme joueur dans cette catégorie, en sachant qu'il y a une catégorie qui a été sacrifiée, c'est la génération 2001. Oui. Période Covid. Qui ont subi cette période. Voilà. De plein fouet. Après, il fallait un départ. Donc le départ, je l'ai fait par la liste des joueurs qui ont voulu en U20. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé notre travail. Et puis il y avait la liste établie aussi par Fafrada. On s'est appuyé sur ça. Et c'est de là que j'ai insisté pour qu'on fasse au moins fin mars deux matchs amicaux. Très bien. Deux matchs amicaux. Je profite de votre présence pour vous poser la question, parce que j'ai beaucoup entendu parler de Fafrada. Fafrada vous a beaucoup aidé, dans votre travail de prospection. Je vais dire qu'ils étaient utiles. Voilà, très bien. Donc voilà, donc par le recensement. Donc, Ils ont un fichier. Ils ont un fichier, donc de recensement. Que de recensement, donc on s'est basé sur quand vous dites un fichier de recensement, d'autres termes, Fafrada, est-ce qu'ils ont approché les joueurs ? Ils n'ont pas approché les joueurs ? Comment après, ça se passe ? Après, leur stratégie, vous la connaissez pas ? Non, c'est pas que je la connais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le joueur. Après, je rentre pas dans le... Non, on s'est pas compris. Ce que je veux dire par là, avant que vous n'alliez trouver le joueur, est-ce qu'il est déjà préparé, ce joueur, par cette équipe de Fafrada ? Il y en a, non. Ah, voilà, c'est ça. Parce que je vais ouvrir un peu une parenthèse, parce que ce que vous dites, Mahamar... Déjà ce métier-là d'aller chercher des joueurs qui évoluent pas dans notre championnat, dans notre environnement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi qui vis en France, ça fait 25 ans, je peux vous dire, on est impliqué. Ils sont dans leur société. Ouais. Quand vous prenez un jeune qui va à l'école dans une société, qui joue au football, et du jour au lendemain, vous allez lui dire. Il y a l'Algérie qui vous sollicite ou un autre pays. C'est pas le même environnement. Après, dans son contexte. J'ai très bien compris ce que vous dites, mais dans le même temps, et après je laisserai Sidi Ahmed, dans le même temps, quand l'équipe nationale, quand il a des modèles, est-ce que ça aide ? Un peu. Mais il est aspiré. Quand un jeune qui joue, moi je vais un peu. C'est-à-dire, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça nous permet de connaître la réalité du terrain. Vous avez un joueur qui joue dans un centre de formation. Il y a un investissement de l'équipe. Moi, je vous donne des exemples réels. Donc je ne vais pas citer les noms pour ne pas... Oui, c'est du concret. C'est du concret. Donc un joueur, vous appelez le joueur et vous lui dites, je suis intéressé par votre profil. Il y a un projet. Le projet, c'est la finalité, c'est les Jeux Olympiques. Voilà. Et le club où il refuse parce que la plus-value, Financière international français n'est pas la même qu'en étant international algérien. Elle n'est pas pareille. Voilà. Après, on a d'autres cas. On a d'autres cas où parce que il y a un gros travail aussi qu'il faut faire par rapport au changement de nationalité sportive. Oui.
Parce que si j'en ai une dizaine ou une quinzaine de joueurs, c'est un gros travail qu'il faut faire là-dessus. Après, vous avez d'autres cas qui, vous lui dites, il est remplaçant dans une Ligue 2, il fait des bouts de match, vous le sollicitez, vous lui dites, voilà, vous avez l'âge, vous avez le profil, ceci, cela. Et vous dites, moi, j'attends que le sélectionneur des hommes... De l'équipe de France. Ouais, non, d'Algérie. Après, on tombe sur plusieurs cas. Et il y a des cas où nous avons sollicité le joueur et... Des parents ? On a sollicité des parents, des agents, parce qu'il y a un environnement. Donc on réfléchit de quelle sorte on peut solliciter le joueur. Et il y a un joueur qu'on avait sollicité, et le club l'avait su, et la semaine d'après, c'est la sélection de France qui l'avait pris. Donc voilà. Il doit être super talentueux, lui. Ouais, donc, ça a toujours été un problème, ouais. Cette double nationalité, ouais. Qui fait que généralement, on l'a vu par le passé avec les présidents de clubs, que ce soit Olas, ouais. Quand c'est des joueurs talentueux, ils veulent bien les garder pour qu'ils aillent en équipe mais de France. Mais vous avez les paliers. Vous avez les paliers. Ouais. Si on reprend, on peut prendre. Vous avez Yebda, Antal, ouais. Toute cette génération qui avait gagné la Coupe d'Europe avec la France. Et après, sur le palier supérieur, ils n'ont plus été appelés en équipe de France. Ouais. Et c'est l'équipe d'Algérie qui en a bénéficié pour notre plus grand bonheur. Tant mieux. Oui, non, tant mieux pour notre plus grand bonheur. Après, moi, je dirais, qui vis dans les... Je connais les deux sociétés. J'appelle les gens à ne pas juger les... Ah, il ne faut surtout pas. Surtout pas juger. Surtout parce que les gens, quand ils vont dans cette équipe ou dans l'autre... Après, le meilleur exemple, c'est Fekir. Ouais. Le meilleur exemple, c'est Benzema. Mais Fekir, le matin, il devait s'y rejoindre l'équipe d'Algérie. Ouais. L'après-midi, l'influence, l'environnement immédiat, il a changé d'avis. Mais il n'y a pas de jugement à avoir. Il y avait la pression de son président aussi à l'époque. Mais ça n'enlève rien à son amour du pays, à son amour de l'Algérie, à ses origines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber... Ça reste une nationalité sportive. Voilà, c'est tout. Exactement. C'est un choix de carrière. Après, ce que je peux dire, il faut faire un travail sur ce point-là. Voilà, il y a un gros travail. Après, c'est des choix, c'est personnel. D'ailleurs, les, je connais un peu ce qu'ils ont fait les Marocains les dernières années. Donc, ils ont placé des représentants dans tous les championnats. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, je connais. Parce que qu'on va faire ça? Après, ça doit rester, je pense, à mon avis, ça doit rentrer dans la stratégie de... De la fédération. De la fédération, de la DTN. Très bien. Je voudrais rester avec vous. Aujourd'hui, est-ce que vous avez dégagé le groupe de joueurs ? On ne dégage jamais un groupe. Donc il y a toujours... Non, disons pas tout le temps. Oui, oui, quand même. Ça fait depuis fin février que je suis en poste quand même. Si je n'ai pas, on va dire, 15 ou 16 joueurs qui peuvent être... Confirmés. Voilà. Sinon, s'il y a ce qu'on appelle dans mon travail, il y a du court terme et du moyen terme. Mais ce qui m'intéresse... C'est d'amener au moins une vingtaine ou 25 joueurs au mois pour de le tournoi. Mois de septembre. Non, au mois de septembre, parce qu'il nous intéresse. Pour les éliminatoires. Les qualificatifs pour le mois de septembre. Après, pour les emmener, on a mis en place des stratégies de stage pour les joueurs locaux. Après, quand on a une occasion de faire venir les joueurs qui voulaient... Justement, pour les faire venir. Ouais. Ce n'est pas des dates FIFA, comment vous faites ? On peut les faire venir que lors des dates FIFA. Alors justement, quand il n'y a pas de date FIFA, comment vous faites ? On ne peut pas. Ils ne viennent pas ? On ne peut pas. Après, il y a les joueurs qui sont engagés à venir, ceux qui sont pas, qui évoluent surtout en réserve, qui s'engagent à venir en sélection, quel que soit le... Même si ce n'est pas une date FIFA. Ouais, exactement. Là, vous allez à Toulon, alors l'Algérie revient 39 ans après. Tournoi de Toulon. Ouais, bon là, on est en train de mettre quelque chose. C'est une Coupe du Monde. Ouais, c'est une mini Coupe du Monde. Je dirais. C'est un niveau assez relevé. Vous avez des Européens, des Asiatiques. Asiatiques, des Africains. Ouais, c'est un peu. Tous les continents sont représentés. On a le programme à l'écran. L'Algérie qui affrontera le Japon. Le premier match, le Japon. La Colombie. La Colombie, je rappelle, double tenant du titre. Ouais. Du tournoi de Toulon. Ouais. C'est une grosse équipe asiatique, c'est intéressant. Plus peut-être le petit poussé du groupe, les Comores. Il ne faut pas sous-estimer, parce que je pense que l'équipe sur papier, on parle sur ils évoluent en France. Ouais, c'est tous les joueurs. Je connais un peu la communauté, donc c'est tous les joueurs sélectionnés qui évoluent dans des centres de formation, dans de bonnes équipes. L'objectif, Toulon, c'est donner de la confrontation, c'est de se situer. Ouais, il y a plusieurs objectifs. Déjà partir en compétiteur, en conquérant. Parce que ça se passe à une heure d'Alger, à l'arrière-pays aixois. Donc voilà, il y a une grande communauté algérienne à l'arrière-pays aixois ou en marseillais. Oui.
Voilà. Après, dégager un noyau pour les futures, pour les échéances. Moi, je voudrais poser une question, coach. Là, vous avez fait 4 stages, c'est ça? Ouais. Sur un plan purement technique et préparatoire, comment on prépare une équipe avec si peu de temps et sur quoi on axe son travail essentiellement? Vous avez, mon concernant, on ne peut pas faire du physique parce que les joueurs, ils sont déjà en période compétitive. Voilà. Oui. J'axe sur des principes de jeu que je mets dans mon projet de jeu. Est-ce après, suffisant cette période? Même si j'ai un mois, c'est jamais suffisant parce que on va cibler les principes de jeu essentiels. Essentiels pour moi. D'accord. Pour moi, on part sur, on va dire sur. À titre d'exemple, sur comment défendre, bloc défensif médian, bas ou très bas, au pressing haut. Après, on va travailler sur deux, voilà, trois justement, principes. D'où ma question. Est-ce qu'on commence par le compartiment défensif ou est-ce qu'on va vers l'instinct de survie, c'est quoi? C'est la défense. C'est la défense. Moi, j'essaie. Bah, je vous explique un peu. Quand je commence ma semaine, je la commence toujours avec de l'offensif. Parce que défensif, c'est, il y a beaucoup de coups, il y a beaucoup de tacles. Donc, on laisse ça en fin de semaine. Ça en milieu de semaine, parce D'accord. que c'est physique, c'est agressif et tout. Moi, je commence toujours ma semaine avec un principe offensif. Très bien. Très bien. Avant le tournoi de Toulon, deux matchs face à la Palestine, ouais. Je voulais vous poser la question. Vous avez été entraîneur de la Palestine. Ouais. Comment on sort une telle expérience dans une nation hein, ou dans un peuple qui vit l'apartheid hein. Ouais. Ben, déjà, il y avait une expérience humaine, déjà. Après, comme je dis souvent, je laisse le côté affectif, émotionnel, et je mets le côté professionnel en avant. Oui, mais quand vous êtes dans un pays ouais. Après, il faut gérer. Coloniser. Il faut trouver, parce que quand on est quand on fait des réunions, on fait des rencontres entre staff ou avec les dirigeants, on ne parle pas des solutions, on parle des quel serait le prochain problème. Non, le prochain problème. Ouais, donc, l'hypothèse à venir. On se met, bon, on connaît un peu. 8 ans, j'ai passé, on va dire, un tiers de ma carrière dans ce pays. Donc, je connais le contexte politique, le contexte géopolitique, si on rentre un peu dans le contexte palestinien, le contexte inter-palestinien. Donc, je connais un peu, on va dire, je maîtrisais un peu ce côté ce extérieur au football, ce volet. Extra-sportif. Après, il y a le côté football, on met un plan de jeu, on met un Donc, ça, c'est sûr, jeu. Moi, je voulais savoir comment on l'a. Humainement, comment c'est. Humainement, on sort, je pense, très fort de cette expérience. Parce qu'on ne peut pas vivre. Vous voyez l'injustice du matin au soir. Une injustice, oui. Ça. Sur le plan humain, c'est injuste ce qui se passe pour les Palestiniens et devant les yeux du monde entier. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de ce qu'on peut voir en infraction de secondes. Voilà, et on le vit à 3h, à 4h de l'Europe. Pour vous dire, Mahmoud, l'Algérie avait affronté la Palestine. Et c'était au sein du Saint-Julien. Exactement, et on a vu les Algériens. Comment ils prennent à cœur cette, on va dire... D'ailleurs, c'était inédit. Ouais, exactement. Tout le public algérien avait soutenu l'équipe de la Palestine. C'est dans le tempérament de l'Algérien. C'est dans l'ADN de l'Algérien. On n'aime pas l'Hagara. Donc, quand quelqu'un une injustice quelconque, spontanément, on réagit, ouais, même si on ne peut pas parler, mais rien qu'avec le regard... On a les images du match qui passent en ce moment. Et c'est pour vous dire tout le dévouement du peuple algérien à la cause palestinienne, coach. C'est vous qui avez passé beaucoup de temps là-bas. Je pense que ça doit être un match assez spécial pour vous. Ouais. De retrouver la Palestine. Oui, ouais, ça fait toujours plaisir de retrouver le staff, les dirigeants et aussi les joueurs que j'ai accompagnés. Il y a des joueurs qui vont venir. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux matchs? Sur le plan sportif, donc nous, il nous fallait un sparring partner pour préparer le tournoi de Toulon. C'est plus le tournoi de Toulon, c'est l'ex-tournoi de Toulon. C'est communément appelé Révélo Maurice Révélo. Donc sur le plan sportif, parce que je suis toujours en période de prospection, surtout des joueurs qui viennent de l'étranger, parce que je les ai vus peut-être dans leur club. Il faut les toucher, il faut les voir.
sur place ici, surtout si on a une occasion de faire des matchs amicaux ici, c'est du pain béni, quoi. Très bien, et on va terminer avec la question du jour. La question du jour, c'est très simple. Avec le programme qui est mis en place par la DTN, est-ce que nos sélections peuvent revenir au devant de la scène ? La question est posée, est-ce qu'il suffit de donner de la confrontation ? Est-ce qu'il suffit de réunir des joueurs pour, et de participer à des tournois pour revenir au devant de la scène ? Vous dites non ? Je ne vais pas dire non parce qu'on prend… C'est un axe. Non, c'est moi je dirais que c'est important et c'est moi je prends les choses du côté positif. Donc si vous me dites, est-ce que c'est bien de prendre… parce que non, je dis que c'est… déjà on les a les matchs. Donc si… surtout les derniers mois, il y avait une politique qui a été mise en place. On joue à chaque occasion, si on pouvait jouer, on le fait. Donc c'est ce qu'on fait actuellement, soit nous, soit les U17, s'ils ont une occasion de le faire, ou les U20, ou les A' aussi. Voilà, donc ça, c'est très important. Après, nous, on gère un peu ce qui a été fait dans les clubs. C'est ce que je vais vous dire, vous êtes le réceptacle de ce que… Des meilleurs joueurs qui viennent, que vous prenez en sélection. Vous venez de le dire, sur les grandes métropoles, on trouve. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de haut niveau. Je pense qu'il y a du retard dans la stratégie ou dans les politiques qui ont été mises ou pas mises en place. Au niveau des clubs ? Au niveau des clubs. Au niveau des clubs, au niveau de… Moi, je dirais même… Parce que pour faire une grande nation de football ou de sport, donc il faut qu'il y ait une politique sportive. Après, dans la politique sportive, il y a des objectifs à atteindre. Il y a des axes. Il y a des axes à développer. Il y a des stratégies à mettre en place. Soit, après, au niveau de la fédération, c'est vrai que nous, on est trop aspirés par l'équipe A. Justement, tous les regards sont bravo là-dessus. Excusez-moi, Mme Dubord. Justement, il parle de l'équipe A. Moi, je profite de l'occasion parce que je voulais vous poser une question par rapport à ça, coach. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une sélection importante. C'est une catégorie importante. Pourquoi je dis importante ? Parce qu'on l'a vu par le passé, c'est une étape de transition pour les joueurs. C'est-à-dire que soit le joueur va vers l'équipe A, a les qualités, a le potentiel pour aller vers l'équipe A, soit il est recalé. On l'a vu par le passé, les exemples sont là. Si on prend juste l'équipe de France, tous les joueurs aujourd'hui pratiquement qui sont en équipe de France, que ce soit les Tchouaméni, les Kamavinga, ils ont tous joué, le Tolisso, Mbappé, ils ont tous joué dans cette catégorie-là des Olympiques. Et on l'a vu, il y a eu les Jeux Olympiques qui permettent à ces joueurs de se montrer. Il y a eu Messi, il y a eu Di Maria. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la catégorie où vous êtes, les Olympiques, est très importante et c'est une étape pour ces joueurs-là d'être confirmés et de pouvoir passer ce cap et d'aller en équipe A ? Le discours qu'on donne à nos joueurs, c'est ça. Vous avez le court terme, c'est de confirmer dans cette catégorie. Après, si les yeux du coach de la A braquent sur vous, c'est encore mieux. Voilà. Mais je reviens à ce que vous avez dit par rapport… Vous avez une minute pour répondre à la question. Ouais. C'est-à-dire, vous savez, l'équipe A, c'est l'entonnoir, ce qui a été fait déjà depuis jeune. Je vous donne un titre d'exemple, je suis formateur et détecteur de talents aussi au niveau de la Fédération française. Donc on part sur de la quantité à l'âge de 12-14 ans pour en finir avec de la qualité… Non, pour finir avec de la qualité à l'âge post-formation. Ouais. Donc si on part sur des 3000 jeunes à l'âge de 12 ans ou 14 ans… Combien vous arrivez ? Mais si on arrive avec une centaine de très bons joueurs, ça serait… Sur une région ? Pas sur une région, sur un pays. Sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Ok. Après, chaque région, je vous dis à titre d'exemple, on l'a fait dans le sud, donc on était parti sur un brassage de 300-400 joueurs. Donc prendre un joueur talentueux, un joueur, ils ne sont pas tous talentueux. Après faire des brassages jusqu'à arriver, on va dire, à la post-formation entre 20 et 23 ans avec de la qualité en équipe A. Monsieur Oudali, on vous souhaite bon vent. Merci. C'est toujours agréable de vous avoir avec nous, d'expliquer votre démarche. Eh bien, on aura l'occasion de se retrouver. Les deux matchs contre la Palestine, la date 22 et 25. 22 et 25, mais ça sera au stade du Saint-Juillet Sûrement. Sûrement. Au stade du Saint-Juillet, double confrontation. Oui, sûrement. Sûrement. Double confrontation face à la Palestine avant de retrouver le tournoi de Toulon. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation.
Sidame Treddis, merci. On se retrouvera la semaine prochaine. Notre invité sera Monsieur Mohamed Aziz Derwez, le président du comité d'organisation des Jeux méditerranéens.